Les 72 heures culturelles du village de Mbolo Ali Sidi, dans la commune de Mbolo Birane, furent un grand succès, organisé par le mouvement des élèves et étudiants de la dite localité, en jumelage avec leurs collègues de la commune de Dodel, Mamadou Sall, responsable et membre fondateur de l'APR. Parrain de ce grand événement, accompagné de son conseil municipal, ont profité de ces grands moments de communion et de partage pour lisser les grandes réalisations du président Macky Sall dans le département de Podor. Élection à Didi à la Djeydodi, son président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Ces élections appartiennent au président de la République Macky Sall et il nous faudrait s'organiser pour élire notre candidat dès le premier tour. Cela doit être très facile pour nous parce que tout simplement, le bilan des réalisations de notre candidat est largement positif dans tous les secteurs, de l'élevage en passant par l'agriculture, la pêche et partout ailleurs, nous sentons véritablement toutes ces réalisations dans notre zone. Ndjeyito Ngaynaka, Ndjeyito Awo, Ndjeyito Bangue Djangde, Ndjehi, Ndji président de la République, bilan moudoum, haïso kuchukulel djibinangel, sotavien nam ni madoum, inandi bilan de la président de la République. Les responsables de la paire de Mbolo Ali Sidi, qui compteraient élire Macky Sall dès le premier tour, ont appelé leurs militants à aller s'inscrire massivement sur les fiches de parrainage. Et saluer le parrain du jour, M. Mamadou Sall. On a écouté tout à l'heure son allocution. Il a pris cette mobilisation et cette belle initiative et il a honoré ça à son Excellence, M. Macky Sall. Donc nous demandons tout un chacun d'être vigilant, d'attendre les mandataires de son Excellence Macky Sall pour le parrainer. On a un seul et unique candidat, le président Macky Sall, pour la réélection dès le premier tour, dès le 24 février, Inch'Allah. Je vous remercie. Ces 112 heures culturelles de Mbolo Ali Sidi ont permis aux populations de cette commune de Mbolo Birane de revisiter le riche patrimoine culturel du Fouta. À Podorabou, Kan, pour la radio-télévision Al-Fadjiri.